Ici, ça sera parfait. On ne risquera pas de la perdre. Je suis vraiment curieuse de voir ta dernière trouvaille. Les enfants, venez voir, votre père va nous montrer quelque chose. Chères femmes et chers enfants, je vous présente ma dernière invention. L'horloge volante. Oh, Milien, tu es mon petit génie à moi. Alors évidemment, c'est une horloge. Mais la grande nouveauté, c'est qu'elle suit son propriétaire partout, lui permettant de savoir l'heure qu'il est. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Ah. Et comment sait-elle que c'est toi son maître, et pas moi, par exemple? Tada! J'ai un petit dispositif comme ceci qui lui sert de lien. Vous avez vu, les enfants? Votre père a inventé la première horloge portative. Je suis sûre qu'un jour, ça fera fureur et que tout le monde en aura une. Le seul souci, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'autonomie. Il faut que je trouve une solution concernant ce petit problème. Eagle! Eagle, viens voir papa! Pas. S'il te plaît, fais attention à toi, Milien. Que veux-tu qu'il m'arrive, galante? Que je me fasse pincer par un crabe? Allez, Eagle, ramène un petit piche par ici. Eagle! Objet étrange, un cube. La décharge d'énergie est survenue lorsqu'il l'a sorti de l'eau. Mais le plus étonnant dans l'histoire, c'est l'effet que ça a eu sur mon horloge. Elle fonctionne depuis des heures sans que je n'ai eu besoin de la remonter. C'est vraiment incroyable. Je ne connais que trop bien cette petite voix. Tu vas me faire le plaisir d'oublier tout de suite les idées que tu as en tête.
Quoi? Non, 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 non. Promets-moi d'arrêter de penser à cette découverte. J'ai un mauvais pressentiment. Attention, c'est le nouveau pressentiment de maman qui frappe à la porte. Oui, oui, c'est bon, j'arrive. Maximilien Coxen, un horloger devrait pourtant savoir qu'il ne faut pas être en retard avec ses dettes. Bonsoir, monsieur Vargas, j'allais justement venir vous voir. Ne me faites pas perdre mon temps, l'horloger. Voyez-vous, nous sommes comme les camas que je vous ai prêtés. Ah bon? Je vous ai prêté pile ce dont vous aviez besoin pour lancer votre affaire, mais il est temps que vous fassiez face à vos dettes. Belle histoire, je vais vous chercher votre argent. Désolé, je laissais filer les chiens. Il est sûrement parti payer ses dettes. Monsieur Vargas? Enfin, c'est pas trop tôt. Et n'oubliez pas, qui paye ses dettes s'enrichit. Eh bien, les copains, c'était pas si terrible. Si, le gros monsieur nous a regardés méchamment. Je suis sûre qu'il mange les petits enfants pour être aussi gros. J'ai une surprise qui va vous redonner le moral. Ouais! Salut la famille, j'espère que vous avez pensé à mes camas. Parce que moi, je suis pile ou face du Kama. Oh non, c'est l'ogre! Ne nous mangez pas, monsieur l'ogre! S'il vous plaît! Ne touche pas à ma famille, vilain monsieur, ou tu goûteras de la puissance de Maximilien l'horloger! C'est ce qu'on va voir! Aidé de ma super armure et de mon épée magique, tu ne fais pas le poids! Excellente soirée, Emilia. Et je crois que ton joli spectacle a beaucoup plu aux enfants. Tu as vraiment beaucoup de talent, mon petit rayon de soleil. Mon petit rayon de soleil? Elle a dû vraiment te plaire, ma petite pièce, pour que tu me gratifies d'un tel sobriquet. Bah alors, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? Mieux que toi, il me semble. Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein? M'empêcher? Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais avant de te mettre en colère, il faut que je te montre quelque chose. Tu as récupéré le chien? Oui, il était sur la plage, couché à côté du cube. Depuis son accident, il semble attiré par cet objet comme un aimant. Un peu comme son maître, non?
galante. Je sais que tu n'approuves pas, galante, mais regarde un peu les possibilités qui nous sont offertes. Depuis que mon horloge volante a été touchée, elle fonctionne de façon autonome. Je n'ai plus besoin de la remonter. Je ne sais pas comment, mais il semblerait que ce cube nous offre une nouvelle forme d'énergie. Grâce à lui, toutes mes idées les plus folles prennent vie. Mais tu ne sais même pas d'où il vient. Peut-être est-il là quelqu'un qui le cherche encore. Ça ne t'inquiète pas? Il était là, c'est tout, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une invention de notre monde. Et ça viendrait d'où alors? Des dieux? Dieu ou chouchou, qu'importe, si je peux m'en servir pour enfin nous sortir de la misère. De la misère? Mais enfin, je ne vois pas de misère chez nous, Milien. On mange tous à notre faim et nos enfants ont un toit pour dormir. J'emprunte à chaque saison un peu plus, mais pourquoi? Sinon payer à mes usuriers plus que je ne gagne. Ça fait des années que j'exerce le métier d'horloger. Et pour quel résultat? Le monde se fiche pas mal de moi et de mon travail. Les gens t'apprécient, Milien, tu le sais bien. Je ne suis pas sûr que la valeur d'un homme puisse se mesurer au nombre de ses amis. Quoi qu'il en soit, je suis là, je suis ta femme. Ne me fais pas passer après tes rêves, s'il te plaît. Milien! C'est toi, mon rêve, galante. Petit coquin, va. Je vais préparer le petit déjeuner pour les enfants. Essaie d'être à table avec nous pour une fois. Papa! Tu veux bien jouer avec nous, dis? Hein? Non, pas le temps, mon garçon. Tu ne devrais pas être couché à cette heure-ci. Mais papa, c'est le matin! Ah, très bien. Regarde bien, Nicole. La soif de l'héliacube est incroyable. Je crois que cette jauge représente la capacité de stockage d'énergie du cube. Depuis que je l'ai trafiqué, le cube a la capacité d'absorber l'énergie vitale de toute chose. Plantes, animaux... Et surtout, il peut la transmettre. Regarde, c'est merveilleux. Tu arrives au bon moment, chérie. Il faut que je te montre quelque chose. Je n'ai pas le cœur à jouer, Milien. Tu passes tes journées ici. On ne te voit plus. Oh. Milien? Boum! Alors, que penses-tu de ça, ma chère galante? Comment as-tu fait? Tu n'as jamais eu de disposition pour la magie. Seuls les plus grands Xelor sont capables de ce genre de choses. C'est le cube. Il décuple mes sens. Grâce à lui, je peux faire des choses incroyables. Et surtout, je vois la vie d'une autre façon. Tout devient possible, galante. Absolument tout. Je ressens des émotions et je perçois un monde que je ne voyais pas avant. Je me sens plus intelligent et plus fort. J'ai même parfois l'impression de pouvoir parler au cube. Tu ferais mieux de venir parler avec tes enfants plutôt qu'avec cet objet maudit. Pardon, Milien, j'ai l'impression que tu deviens fou. S'il te plaît, arrête et jette ce cube à la mer. Revenons à notre vie d'avant. C'est trop de pouvoir pour quelqu'un comme toi. Trop de pouvoir pour quelqu'un comme moi? Que veux-tu dire? Que je ne le mérite pas? Que je ne suis pas assez malin? D'autres le mériteraient plus que moi, peut-être. Ce n'est pas ça que je voulais dire, Emilia. Milien, ouvre-moi cette porte! Je t'en prie!
Galante, il faut que tu viennes voir ça. J'ai presque fini. Mon amour, quand tu me liras, je serai déjà loin. Un mois s'est écoulé depuis ta sinistre découverte. Je ne te vois plus et ton absence m'est insupportable. Je pars avec les enfants sur l'île de Mayara pour rejoindre ma sœur. Si tu souhaites nous y retrouver, tu seras le bienvenu. Vous êtes là? Je ne suis pas là pour ça. Depuis plusieurs mois déjà, Galante, payez vos dettes. Vous ne me devez plus rien. Ça va vous paraître étrange, vu nos rapports, mais votre famille... Alors, quand j'ai appris que l'île de Mayara, où votre femme demeurait, avait été engloutie par les eaux, j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir au plus vite. Engloutie par les eaux. Le chaos de Crest a fait monter brutalement le niveau des océans. L'île, comme beaucoup d'autres, a été submergée en quelques instants. Il n'y a aucun survivant. Mortel! Tu viens me voler mes inventions, c'est ça? Et tu crois m'avoir avec des histoires à dormir debout? Aussi puissant que le dieu Xelor! Oui,
de plus puissant même. Contrôler l'espace entre chaque seconde pour réduire le temps, plier le monde, effacer l'histoire de ma vie et réécrire un avenir sans limite. Je peux les ramener. M'entends-tu, Xelor ? Je te surpasserai et je ramènerai ma famille. Rien ne pourra m'arrêter. Mes enfants m'appelaient papa. Ma femme m'appelait Milia. Désormais, le monde apprendra à me connaître sous le nom de... Non.